Donc voilà, je vous fais un petit récap sur toutes les découpes que j'ai réalisées, parce que bien sûr, j'ai pas tout filmé, parce que sinon la vidéo allait durer 3 heures et ça allait être assez redondant. Donc pour les poteaux, donc, je suis parti sur des profilés 50-50. Donc j'ai fait une hauteur de 1m10. J'ai fait donc deux platines comme ça, donc en 100 par 5 mm d'épaisseur. Donc c'est ce qui ira du coup sous le poteau, comme ceci, et qui servira de fixation. Ensuite, pour les traverses, donc les longues traverses qui vont d'un poteau à l'autre, je suis parti donc sur du 50-30 en 2 mm d'épaisseur toujours. Donc là, c'est des longueurs de 1m70 parce que mon garde-corps donc, va faire 2 mètres. Et en fait, il a fallu que je jongle avec, avec les fixations qui étaient possibles parce que c'était du moellon où j'ai recoulé du béton dedans. Donc en gros, j'avais un petit écart, ça tombait pas pile poil à ras. Donc voilà, 1m70. Et en gros, pour boucher en gros la distance entre mon poteau et mon mur, j'ai fait des petites découpes comme ça où je vais venir mettre une ou deux barres histoire que ça soit dans la continuité et que le garde-corps s'arrête pas 15 cm avant le mur. Voilà, si tu comprends pas tout, tu verras une fois qu'il sera posé, tu verras plus clair. Et pour tout ce qui est, on va dire, décoration, donc toutes les traverses qui seront à la verticale, donc je suis parti sur du carré de 14 par 14 en plein. Donc j'en ai coupé une vingtaine. Je sais pas encore combien j'en aurais besoin à maintenant, quoi. Donc vu que j'ai pas forcément fait de plan, je l'ai juste fait à la main, mais pas à l'échelle. Du coup, j'en ai coupé une vingtaine. Après, il m'en reste encore. Je pense pas que j'utilise tout. Mais voilà, je vous dirai combien j'en ai utilisé bien sûr à la fin de la vidéo quand j'aurai fini mon garde-corps. Là c'est du freestyle complet. Pour la hauteur, donc je suis parti sur des 1 mètre. Et en fait je vais les surélever, donc, parce que les poteaux font 1m10 si t'as suivi. Et du coup je vais les surélever de 10 cm par rapport à mon sol. Donc ils viendront au même niveau que mes poteaux à peu près, dans la logique. Je le fais comme ça parce que j'ai un autre garde-corps juste à côté et il est fait avec des tubes carrés comme ça, avec du carré plein de 14-14 avec à l'ancienne avec les rosaces. Donc je voulais rester un petit peu dans le même thème, mais c'est vrai que du tube rond avec un gros diamètre creux, je pense que déjà le garde-corps sera beaucoup moins lourd, et en plus de ça, bah, ça fait un effet un peu plus moderne, on va dire. Mais bon, c'était pas mon cas, je veux rester dans le même truc que ma maison. Elle est 1930, donc forcément il y a un vieux garde-corps. Donc on va rester un peu dans le même esprit, mais voilà, tu sais que tu peux changer la déco sans problème. Bon, c'est parti, assez blablaté, on passe à la soudure. Qui va être portante, donc j'ai pas mis comme tu peux voir les barres qui vont servir de décoration. Je vais le tester déjà, le mettre en place pour voir si les dimensions sont bonnes avant qu'il pèse un âne, tout simplement. Et je vais venir couper dans les chutes là qui me restaient, donc du fer plat, je vais venir couper des petits carrés ici pour pouvoir reboucher les trous, parce qu'au début je voulais acheter des capuchons en plastique.
Ce qui m'a freiné, bah, d'une, c'est le prix, parce que bah, c'est pas donné, surtout vu la taille du tube, ça va faire des gros bouchons. Et de deux, bah, en termes d'esthétique, vu que je vais le peindre, ça m'embêtait un peu d'avoir une partie métal peinte et après juste un capuchon en plastique. Là, ça sera fermé, ça sera peint uniformément et je trouve que le rendu sera plus joli. Donc là, du coup, je vais venir couper des rectangles donc de la même dimension que l'intérieur de mon tube et je viendrai hop l'aimanter. Donc je l'aimanterai là-dessus. Je le mettrai hop comme ça pour qu'il tienne et qu'il tombe pas dans le trou. Et je viendrai souder un cordon tout autour. Un petit coup de meulage et ça se verra plus. Et on fera donc tout ce qui est barre de décoration si les mesures sont bonnes. Allez, c'est parti! C'est bon, là j'ai fini de souder le garde-corps, donc toutes les barres sont en place. On va attaquer un gros dégraissage, donc avec du liquide de frein, pas du liquide de frein, avec du nettoyant frein. J'utilise que ça moi pour dégraisser, je trouve que c'est plus radical que l'acétone et franchement, ça laisse aucune pellicule contrairement à l'acétone. J'ai déjà eu des soucis quand on peignait notamment à la bombe, qu'on dégraisse à l'acétone, il reste toujours des gouttelettes, en fait ça fait des petites bulles dues à des résidus de graisse je pense qui restaient. Depuis que je fais ça avec le nettoyant frein j'ai plus aucun problème. Je te montre un peu hop ce que ça donne. Voilà, donc là c'est la vue de derrière, tu vois, hop. Donc c'est la vue de derrière que tu as devant, bah forcément c'est plus joli, il y a plus de barreaux. J'ai fait en quinconce comme ça pour donner un effet de volume. Et bah, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Allez, du coup, c'est parti pour le dégraissage. Bon, rien de passionnant. Je vous fais un time-lapse, comme ça passera assez rapidement. Ensuite, peinture. Et je te montre le résultat tout de suite après. Bon, ça y est, le garde-corps est en place. Je dois dire qu'il était hyper lourd. Sachant que j'en ai un deuxième, je te montrerai juste après. J'ai un deuxième garde-corps à faire qui est encore plus long et qui a un retour d'angle. Donc, je pense que je vais le faire en deux pièces et du coup, je ferai sans doute un complément de vidéo à celle-ci pour vous montrer du coup comment on fait faire un garde-corps en deux parties. Enfin, en tout cas, la solution que je vais utiliser moi pour le faire. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter comme d'habitude. Ça m'aide beaucoup dans le référencement. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je te montre le résultat tout de suite. Donc, tu vois, pour la fixation, j'ai utilisé donc des goujons comme ça. J'en ai mis que deux. Ça tient très bien. Donc, il n'y a pas de raison d'en avoir plus. C'est des goujons en inox, donc avec boulon inox, rondelle inox, enfin full inox. Donc ça bougera pas. J'en ai mis deux là-bas aussi sur la platine et je te montre ce que ça donne. Tu vois, on n'est pas trop mal.
Voilà ce que ça donne quand on est en face. Donc tu vois, je te disais, j'aurai un deuxième garde-corps à mettre juste ici là, tac, donc avec le même motif que celui-là. Et après il y aura un petit retour ici et il viendra se piquer en gros sur le poteau du portillon ici. Donc si t'as pas suivi, hop, je tourne. Si t'as pas suivi, en fait, ici à la place de la pompe à chaleur, il y avait une ancienne cuve à fuel avec un abri et tout. Donc il a fallu que je casse l'abri, que je casse le mur de devant, que je refasse une dalle. Donc voilà, c'est pas de toute beauté le crépi. J'ai une maison qui est de 1930, donc forcément le crépi est un peu dépareillé. Mais bon, une fois que le crépi, que le garde-corps sera posé devant et que le rosier en fait va reprendre sa place initiale sur le garde-corps, on verra plus rien, ça sera tout caché, donc ça fera pas mal. Voilà, voilà. Du coup, allez. Je te montre, tu vois, vu de derrière aussi. Tu vois, donc les, j'ai mis un petit peu moins de barreaux derrière parce que bon, c'est juste un côté esthétique, mais voilà. En gros, ça fera la sécurité quand on est là-dessus. En tout cas, bien content. Donc tu vois, je sais pas si tu vas le remarquer. Tu vois, ici, il y a 2-3 coulures. C'est dû quand je l'avais fait au pinceau. Par contre, le pistolet a quand même bien caché la misère. Donc je suis bien content parce qu'au début, c'était beaucoup plus vilain que ça, quoi. Mais en tout cas, je suis bien content. Très beau résultat.